C'est avec un immense honneur et un profond privilège que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de mon installation en tant que ministre de l'Environnement. Je suis conscient de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Cependant, je trouve du réconfort dans le fait que je ne suis pas seul et je ne serai pas seul dans cette mission. En effet, j'ai la ferme conviction que je peux compter sur chacun d'entre vous pour œuvrer ensemble en faveur de la sauvegarde de notre environnement. J'adresse mes plus sincères remerciements au Conseil présidentiel, au Premier ministre Dr. Garry Conille, au Rassemblement pour une entente nationale et interfoi, qui ont fait choix de ma personne. Un remerciement tout à fait spécial à la conseillère présidente, l'agronome Régine Abraham, pour son engagement hier comme aujourd'hui auprès du ministère de l'Environnement. Je saisis également l'occasion pour remercier chaleureusement mon prédécesseur et ami, ministre James Cadet, pour son dévouement pendant ces 10 années au service du ministère de l'Environnement, au service du pays et au service du ministère de l'Environnement en particulier. Mesdames, Messieurs, depuis sa création en 1994, j'ai eu l'occasion, Madame Altidor, au sein du ministère de l'Environnement, on a travaillé ensemble. Ces 30 années ont été marquées par notre engagement à renforcer la résilience environnementale du pays. Je rends ici hommage à toutes celles et ceux qui ont partagé cette aventure avec moi dès le premier jour, ainsi qu'à celles et ceux qui ont endossé cette noble cause et poursuivi le chemin. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre avec des défis considérables. Ainsi, nous devons léguer aux générations futures un héritage différent, un environnement préservé, un climat clément à la vie et une société plus juste et plus équitable. La lutte continue, car les défis du monde actuel sont multiples et variés. La crise climatique mondiale a atteint un seuil critique, tandis qu'à l'échelle nationale, les enjeux sécuritaires, migratoires, sociopolitiques et économiques exacerbent la crise environnementale, menaçant même notre existence en tant que peuple. Mes amis, nous connaissons tout problème qu'a saccagé cette terre. Ce n'est pas moment pour nous plaigner, pour nous parler en pile. C'est là, Jean-Ministre Vélin fait ce dia, pour nous agir, pour nous passer dans l'action. C'est là pour nous agir contre le déboisement. Pieds bois nous, qui passent suspendre, couper tout partout. Forêt nous, qui risque de disparaître totalement. À cause d'érosion, nous avons déjà perdu notre net aller 6% sol. Nous 25 parmi 30 bassins versants, nous avons tout tourné. Nous avons été dangriens et nous n'avons pas fini. On agit pour nous protéger le reste des bassins versants. Nous agit pour nos compatriotes, nous suspendre. Perdit tout ça y posséder chaque fois qu'il a pu tomber. On agit pour ne pas quitter les ressources de l'eau y tourner sous conflit dans la population. Jean, ça a commencé dans quelques zones dans le pays déjà. Faut que nous agissions contre biodiversité, tout à cause des effets réchauffement ça y a, à cause du réchauffement climatique. C'est le moment donc pour nous agir
tout le monde qui a mal exploité les ressources matérielles, qui a risqué la vie de tout le monde dans l'action sans contrôle, sans respecter aucune norme. Nous devons agir contre Fatra, qui envahit tout le pays et qui tient une menace pour la santé de tous. Oui, il faut que nous agissions pour nous retourner vers l'espace côté de la vie, puis belle. Il faut que l'environnement nous soit propre. Jodi, en pile dans la vie, nous sommes menacés de disparaître. Au Cap, Gonaïve, au Cap, Port-au-Prince, pour nous citer ça seulement.